Nang's Reborn. Wow! Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bol. Nous sommes de retour pour une vidéo hors du commun. C'est la suite de la vidéo précédente sur cette nouvelle influenceuse du Cameroun qui partage de l'argent. C'est un truc hors du commun. Elle s'appelle la croqueuse de diamants. Sérieux? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça! Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Waouh! La fille a de la thune. Elle a de l'argent. Et apparemment, elle partagerait de l'argent aux gens. Mais le truc qui étonne les gens, c'est que c'est à minuit qu'elle commence à envoyer de l'argent à ses abonnés. Mais pourquoi? C'est la question que les gens se posent dans cette vidéo. Écoutons ça. Des choses hors du commun. Elle a d'abord quelque chose à nous dire. Coucou mes diamantaires, j'espère que vous allez bien. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras parce que rien n'est facile. Moi-même, j'ai bossé très dur pour être où je suis actuellement. Chacun a son étoile, il faut juste garder la foi et de travailler très dur. Si moi j'ai pu, pourquoi pas vous? Ouais ça, elle commence d'abord par nous expliquer son parcours. Elle dit que ce n'a pas été facile pour qu'elle arrive là où elle est. Au point où elle peut nous montrer maintenant ses richesses. Écoutons. Il ne faut pas afficher ton bonheur. Hein? C'est pas bon. Il y a les méchants dehors. Il y a les jaloux. On affiche ça pourquoi? Les jaloux vont mourir comment? Ils doivent voir. Ils se pendent. Vous comprenez? Voilà. Incroyable, mais vrai. Mais elle aide aussi les gens. Elle fait les dons aux gens. Et oui, elle fait vraiment les dons aux gens. Regardez. On est tout le mec du display. Vous voyez ça? Elle est venue voir une vendeuse tranquillement. Elle cause avec elle. Elle échange avec elle tranquillement. Elle essaie de voir comment ça se passe. Tout. Et elle voit qu'après, elle va lui donner de l'argent pour la soutenir, soutenir son business. Oui. Soutenir son business. C'est ce qu'elle fait. En général, les gens disent qu'elle donne de l'argent à minuit, mais ça, c'est la journée quand même. C'est la journée. Vous voyez? La croqueuse de diamants. Regardez son visage. Vous voyez ça? Waouh! Bon, nous allons entrer dans le but du sujet. Avec les gens qui s'interrogent sur la raison pour laquelle elle donnerait son argent à minuit. Écoutons ça. Pourquoi elle partage déjà à minuit? Plusieurs personnes ne sont pas connectées. Là, est-ce qu'elle n'a pas là-bas? Elle peut dire quoi? Il n'y aura pas trop. Là, c'est tout rouge. Là, c'est pour la question. Mais ah, pourquoi est-ce qu'elle partage déjà à minuit? Il y a un gars qui dit elle partage déjà à minuit parce que c'est que beaucoup de personnes ne sont pas connectées du coup. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu le faire. Mais c'est ce que les gens racontent que moi, je vous montre ici. Vous voyez ça? Vous voyez ça? On nous dit, bientôt 0h, minuit. Ceux qui veulent recevoir l'argent, partez dans son snap. Coqueuse de diamants. Elle aide ceux qui sont vraiment dans le besoin. Sérieux? Ah, c'est hors du commun. Incroyable, même frère. Bon, elle partage l'argent seulement à minuit, quoi. Mais non, ce qu'on vient de voir, c'était pas à minuit quand même. C'était en plein jour. Mais apparemment, elle partagerait de l'argent à ses abonnés à minuit. Bon, minuit. Pourquoi minuit? Pourquoi minuit? Pourquoi? Personne ne sait, mais elle a donné l'argent à cette femme le matin quand même. Bon, écoutons ça. Karine Mongo partage l'argent, c'est vrai. Mira Cosmétique partage l'argent, c'est vrai. Même Malam, celle qu'on appelle la copine de Shakiro, que Shakiro disait qu'elle est colline, il a partagé l'argent, c'est vrai. Mais pas comme ça.
Au moins, elles organisent les jeux sur leur page pendant un direct. Elles demandent si tu as un projet, tu me présentes. Ou bien partager les publications, le plus nombre de grand nombre de partages, ou bien le plus grand nombre de likes et partages. Quelqu'un qui vient vous donner l'argent à minuit. Vous venez me dire les fiches locales parce que tu es pauvre. Donc, c'est parce que je suis pauvre que je donne pas l'argent à quelqu'un. Moi aussi, j'ai déjà donné l'argent à quelqu'un. Mon niveau. Si je donne même Dieu à quelqu'un, mon frère, c'est mon niveau. Et je le donne avec tout cœur. Et ce n'est pas que demain, on va venir rip la personne sur Internet parce que j'ai donné mon argent. Quelqu'un qui... Ok, vous dites qu'elle est promotrice d'un établissement. J'ai même lu quelque part qu'elle est promotrice de l'établissement là, mais elle donne des bourses d'études aux enfants pour venir fréquenter dans l'école là. On dit qu'elle a une marque de cosmétiques. Je ne refuse pas, mais elle était où depuis? C'est la question que je pose. Elle était où depuis? Et c'est du coup, tout le monde comme ça que vous, qu'elle a apparu, qu'elle est apparue et qu'elle commence à partager l'argent. Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Vous venez m'insulter. Tu es pauvre. D'autres disaient qu'ils veulent aller récupérer l'argent là. Allez récupérer. Mais que quelqu'un ne vienne pas dire aux gens de gaspiller les rips de main. Pardon. Voilà. Mais vous-même là, mes frères et sœurs, dis-moi, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous, mes frères et sœurs? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est simple tout ce qui se passe? Tout ce qu'elle fait, est-ce que vous pensez que c'est vraiment simple? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment simple? En tout cas, si vous pensez que c'est compliqué, n'allez pas prendre son argent quand même. Ou ben... Mais si vous voulez aller prendre son argent... Ça vous risque terrible aussi. De toute façon, tout est risqué sur cette terre. Tout est risqué. Tout est risqué. Mais pendant qu'on parle, j'ai une jeune fille qui, elle, a reçu déjà sa part. Main à main. Main à main. Écoutons-la. Bonjour les amis. Est-ce que vous connaissez Coco sur le diamant? Il dit qu'elle croque le diamant. J'ai vu que t'as là hier soir, t'as pas, donc je vois que tu partages l'argent aux gens. Moi, je ne veux même pas beaucoup, je veux seulement 100 000. Elle a sorti 1 million, elle m'a donné. Même 10 merci m'a dépassé. Waouh! Bon, bonjour les amis. Est-ce que vous connaissez Coco sur le diamant? Il dit qu'elle croque le diamant. J'ai vu que t'as là hier soir, t'as pas, donc je vois que tu partages l'argent aux gens. Moi, je ne veux même pas beaucoup, je veux seulement 100 000. Elle a sorti 1 million, elle m'a donné. Même 10 merci m'a dépassé. Elle a vu quelque part. Elle dit, ah, la grande soeur, on dit que tu partages l'argent ou ça. C'est comment? Moi, j'ai juste besoin de 100 000. Elle dit que, à sa grande surprise, cette jeune dame a levé 1 million et lui a donné. Ah! Ah! Et on lui dit que quand elle partage l'argent, elle ne partage pas les gens 200 000 ou bien 300 000. 400 000, pas d'ailleurs 400 000. 1 million. 2 millions. 3 millions. 5 millions. Sérieux? C'est ce qui étonne tout le monde. Au point où les gens se posent tant de questions. Mais regardez. Pour l'ONF, remporter la victoire par vos actes et non par vos discours. Elle dit remporter la victoire par vos actes et non par vos discours. L'ONF, remporter la victoire par vos actes et non par vos discours. L'ONF, remporter la victoire par vos actes et non par vos discours. Elle dit qu'elle n'est pas venue pour trop parler. Elle est venue faire ce qu'elle doit faire. Elle est venue pour remporter la victoire sur toutes les autres influenceuses. Elle dit que les autres influenceuses ne donnent rien à l'homme. Et qu'elle, elle est venue pour tout nous donner. Elle vient partager le Dieu aux hommes. Partager le Wari. Oh, people. Yes. Et là, j'aime ça. Elle est en train de courir pour aller là-bas. Et même, c'est un chef d'entreprise, même, vient faire la promotion à la fille pour dire, ah ma chérie, viens croquer le diable chez nous. Mais regardez, voilà, bonjour la famille, bonjour les influenceurs, bonjour l'internaute, bonjour TikTok, Instagram, Facebook. J'entends dire qu'il y a une influenceuse, on l'appelle la croqueuse de diamant.
La croqueuse de diamants, si tu viens croquer notre entreprise. Wow. Viens croquer Cité des Palmiers, viens croquer Carrefour Express. C'est là où nous sommes situés. Comme tu vois, non, on a les appareils d'échographie. Il y a les villages même, qui n'ont pas un seul appareil d'échographie, la croqueuse. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle gynécologue. La croqueuse vient voir. Voici les appareils d'échographie, la croqueuse. Avec ça, non, même si le fœtus est à 2 semaines, on voit le bébé. On regarde la croqueuse. Il y a même le lit. La croqueuse de diamants vient à Douala, à la Cité des Palmiers. C'est là où nous sommes. Je vais laisser mon numéro dans la vidéo. Et je vais avec mon nom. Tu vas me contacter, la croqueuse de diamants. On va faire les dons dans les hôpitaux. La croqueuse de diamants, regarde bien. Iki! La croqueuse de diamants, tu vas nous croquer. La croqueuse de diamants, tu vas nous croquer. Écoutez ça encore. On va faire les dons dans les hôpitaux. La croqueuse de diamants, regarde bien. Iki! La croqueuse de diamants, tu vas nous croquer. La croqueuse de diamants, tu vas nous croquer. La fille là. La fille là. On nous dit qu'elle aurait juste 22 ans. Ah! Mais regardez comment les gens la prennent comme une chef d'entreprise. Regardez comment les gens la prennent comme une grande soeur. Juste parce que elle a l'argent. Beaucoup d'argent. Et elle donne ça facilement. Huh? Ouais. Dieu n'a qu'à faire nous tous avoir l'argent. Au nom de Dieu, c'est pas blanc. Donc quand tu as l'argent, tout le monde te respecte. Sérieux. Donc quand tu n'as rien, on ne te respecte pas. Quand tu n'as rien, on ne s'occupe pas de ta tête. Ah, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Mais regardez. Depuis là-bas, les réseaux sociaux, on parlait d'une femme croqueuse de diamants. Ma mère, le son que tu as l'argent avant d'être belle. Je ne fais pas la talakou, mais dis juste la vérité. Maman, tu es belle même naturellement. Ils sont les bruits. Wow. Il y a d'autres gens, c'est quand elles ont eu l'argent que la beauté a commencé à naître. Elles sont devenues influenceuses dans un entre la beauté a commencé aussi à sortir. Comme les lumières blanches. Mais toi, naturellement, quand tu te regardes, ce n'est pas l'argent qui te rend belle. Maman t'a créé bien. Elle t'a créé le jour qu'elle avait bu au moins toi bien. Elle t'est tranquille dans la tête. Elle t'a fabriqué. Tu es bien sortie parce que tu es une belle femme. Charismatique, emblématique, fantasmagorique. Tu as toutes les caractéristiques d'une femme qui n'enfreint pas l'éthique. Tu as le sourire large comme un format A4. Maman, quand tu es lion, quoi que la vie est facile. Tu as le chevelu comme les ailes de l'ange. Je ne te vantais pas, maman, mais j'ai dit juste la vérité parce qu'il t'a observé. Beaucoup parlent de leur façon. Oh, ton argent est monté, descendu. Il y a l'argent qui est ça, il y a l'autre qu'on lave, mon frère. C'est le vrai argent parce que c'est une femme d'abord, rien que sa beauté peut lui donner l'argent. C'est le produit qu'elle vend. Il y a les femmes ici dehors qui ont le complexe des minces fesses. Mais grâce à elles, elles ont les grosses fesses. Et les femmes ici dehors qui ont le mince corps, grâce à elles, ont le bon corps. Alors, ce produit doit lui donner l'argent. C'est ça qui est la vérité. Et croqueuse et les diamants. Maman, tu as donné. Maman, ce qui m'énerve, c'est que tu donnes l'argent à ceux qui ne font pas. Comment tu peux faire Fadi le sorcier de 1 million? Il a gagné l'argent, Fadi, c'est une fille manée. Il a gagné l'argent depuis. Même la musique, là, c'est parce que ça a seulement marché comme ça. Comme c'est quelqu'un qui fait ses coutumes-là, ça a marché. Il a l'argent depuis. Il y a des gens que tu dois donner l'argent. Tu vois un peu, non? Ben, comme moi, par exemple, ça ne donne pas sur moi. Bon, au lieu de, on dit que donner le poisson à quelqu'un, c'est le faire manger une journée. Mais l'apprendre à pêcher, c'est le faire manger toute la vie. Regarde, madame, mon projet, tu as ma nouvelle série, non? Madame, ma nouvelle série, c'est l'argent qui manque, maman. Il manque 3 millions pour réaliser ça. Au lieu de donner l'argent partout, parce que ça ne donne pas, viens nous aider. Trop, moi, j'ai besoin, ma mère. Ah! Ah! Il vient présenter son projet lui aussi. Et il sollicite l'aide de cette jeune dame. Il a juste besoin de 3 millions pour monter son affaire. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? On lui dit qu'elle aide les gens qui sont réellement dans le besoin. Qui est cette fille au juste? Je me pose des questions. Qui est cette fille? Qui est réellement cette fille?
Mais je suis pas le seul à me poser des questions. Regardez. Bizarrement, je me balade en TikTok et je tombe sur les vidéos de la plus grande influenceuse du moment, du nom de croqueuse de diamants. Oui, maman, mes chapeaux. La seule qui a prouvé, la seule qui a pu frustrer d'autres influenceuses du continent camerounais. Oui, maman, mes chapeaux. Arrêtez de donner vos habits bidons sur la vie des autres. Elle est la seule à savoir ce qu'elle a traversé pour arriver à ce stade de sa vie. Même si elle a trempé, elle a nagé quelque part. C'est sa vie. On veut le présent. Le reste, là, ne nous concerne pas. Maman, l'agent t'appelle maman. Tu es la seule qui a prouvé. Tu n'es pas là pour vendre le rêve aux gens n'importe comment. Quand tu peux, ma soeur, aide. Aide. La main que tu donnes reçoit beaucoup. Il y a des sorciers dans TikTok qui ne font que dire que oh, quand ça va cuire, ça va cuire. Quand ça va cuire, elle là, ça va jouer sur vous. Non, mêlez-vous de vos vies quand même. Aïe! Que pouvez-vous dire de cela? Que pouvez-vous dire de cela? En tout cas, les gens se posent toujours des questions. Hein. Regardez encore. Actuellement, ce qui se passe sur Internet, nous assistons à l'arrivée d'une jeune soi-disant influenceuse qui va détrôner Muriel Blanche et Emma Loès, qui s'exhibe sur la toile avec des tas d'argent en disant qu'elle fait des dons à une certaine tranche de personnes. Reste à savoir, est-ce que ce ne sont pas les messages montés? Au cas où ce ne sont pas les messages montés, je vais parler. Cette jeune fille, il y a de cela quelques semaines, ne ressemblait pas à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Donc moi, je me dis, c'est une jeune fille qui s'est levée, s'est bien préparée pour impressionner les gens parce qu'elle a compris que le maître du monde, c'est le cap. Gamin, croqueuse de diamants. Comprenez d'abord le nom. Et ce qui me dérange, maman, la photo de profil de la fille. Elle a mis le diamant sur les dents avec le sang qui coule au bord de la bouche. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Il y a deux hypothèses, je ne discute avec personne. Soit c'est elle en train de chercher les clients. Les clients, ce sont les mougouf qui vont entrer dans son jeu. Ou alors, elle est en train de captiver les âmes. Les âmes sensibles, bien sûr. Les gens qui sont trop impressionnés par de l'argent. Elle a 22 ans, à ce qu'il paraît. Ou alors, elle vaut l'argent de ses parents pour faire le match pour jouer la belle vie. Ou elle est héritière et elle a envie de se faire voir. Oui, parce qu'il y a les gens qui héritent ici, pas toujours le diable où ça finit. C'est pas comme si c'est impossible. Si ton père a 200 millions dans son compte, une somme comme 200 millions dans son compte, tu peux vivre la vie de 200 millions, la vie de rêve en une semaine avec 200 millions, oui. Mais après les deux semaines, j'espère qu'elle va maintenir le niveau comme ça. Parce que, mais il y a une chose qui ne manque jamais, qui n'a jamais menti. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, ici dehors. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Déjà, merci à Salatiel. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et n'est tout ce qui... Sérieux? Sérieux? Est-ce que vraiment tout ce qui brille là n'est pas de l'or? Ben, les gens se posent des questions. Hein. Regardez, ils disent, quand les jeunes vont commencer à tomber comme les mouches, on va accuser l'État. Ils sont là-bas en train de lui demander l'argent. Vous voyez ça? Écoutons ça. Rien de savoir, ton approche là n'est pas à négliger. C'est pas faux, Yolande, c'est pas faux. Je te dis, c'est pas faux. Souvent, il y a les accidents dans notre pays, il y a des morts dans les rues et tout, les trucs qu'on dit que ce sont des sacrifices rituels et tout, ou des rituels de sacrifices. Les gens meurent, on dit, oh, c'est le gouvernement, les élections sont dehors et tout. Ça va que plein de jeunes, pardon, notre génération est partie tremper les mains dans les choses compliquées à cause du manque de travail, à cause des situations compliquées que quelqu'un check dans sa tête, on lui dit que trempe la main ici, là, il met facilement la main. C'est comme ça. Oui, possiblement les enfants de gens vont tomber comme les mouches, comme tu dis là. Mais vraiment, oh, si y a un membre de ma famille qui va écouter la vidéo, ne partez pas manger la hache de coqueuse de diamant, pardon, je vous aime encore. Si quelqu'un. Oh. Oh.
ok. Hein? Hein? Ha! Moi, vraiment. Bizarre. Tout le monde en parle, tout le monde en parle. Qu'est-ce que vous en dites? Laissez en commentaire, j'aimerais bien savoir aussi votre avis. Mais pendant ce temps, les gens continuent de faire des révélations. Écoutons ça. Ici, c'est camarade de rue. J'ai deux questions à vous poser là. Sur la toile, on entend parler de croqueuse de diamants partout là. Est-ce que vous avez une idée? Vous connaissez croqueuse de diamants quelque part? En fait, je connais croqueuse de diamants. Croqueuse de diamants, c'est une femme qui vendait les produits, fait gonfler les fesses et les seins à Bepanda. En fait, je le connais bien, en fait. Ah bon? Très bien. Ouais. Croqueuse de diamants à Bepanda, oui, c'est vrai. Bepanda, Bepanda. En réalité, on a entendu parler qu'elle avait une boutique quelque part par là. Et vous pensez que c'est derrière ce commerce qu'elle a accumulé tout cet argent qu'elle a aujourd'hui ou bien vous avez une autre idée? En fait, moi, je ne sais pas. Parce que partout de plan, à tous les réseaux sociaux, porte-monnaie, maïs, c'est cela, mon frère. C'est ce que pour elle, en fait. La mamie maïs seulement, mon frère. En une semaine, elle a pris les 10 millions. Ah, mon petit frère, la mamie magique, dis donc. Allez, dis. Je dis que pour elle, là, c'est pas porte-monnaie magique. Hein. C'est la mamie magique. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ici, on nous dit, qu'elle partage l'argent au TikToker, non? Sur qu'elle n'a pas donné ta part et pourquoi tu cries comme ça? Vous voyez ça? Écoutez cette réaction maintenant. Sur la vie de ma mère, il y a les gens qui sont en train de m'écrire en inbox pour me demander l'argent, pensant que je suis croqueuse de diamants. J'ai dit, ça ne vaut pas la peine, hein. C'est-à-dire que depuis hier, je suis en train de faire des vidéos pour sensibiliser les gens, pour ouvrir les yeux des gens, pour qu'ils arrêtent d'aller lui demander de l'argent et qu'ils arrêtent de prendre son argent. Les gars viennent inbox m'écrit pensant que je suis Elko, tata pardon, je suis un pauvre ceci là, pardon, donne-moi même un petit 100 000 là-bas, papa pardon, donne-moi même un petit, je demande. On atteint le niveau là et ce sont les hommes, hein. Depuis là, aucune fille ne m'a écrit pour demander l'argent. Ce sont les hommes qui sont en train de mourir dans mes commandes, dans mon inbox, dans mon DM pour demander l'argent. Je dis, et toi l'autre, c'est là qui vient me dire que c'est parce qu'on a dit qu'on donne l'argent au TikToker, et on n'a pas donné ma part, c'est pour ça que j'écris. D'autres disent que c'est la pauvreté. Donc, j'ai demandé, calmez-vous. Ah, mais tu l'as dit, il ne faut pas aller prendre l'argent. Mais ils vont venir chez toi. Ils vont venir chez toi pour chercher ça. Ou bon. Mais c'est comme ça, c'est. Regardez. Vous voyez ça? Hey, Camerounais, la fille, c'est qui? Elle fait quoi dans la vie? Elle travaille pour. Waouh, là, c'est pour ça que ça va bien. Mais elle fait quoi dans la vie? Elle travaille quoi? Elle est où? Elle est où? Elle est comment? Hein? Elle se pose la question, elle est où, elle est comment, elle vient d'où? Elle est comment? Elle est ceci? Nous allons voir clair dans cette affaire, nous allons voir clair dans cette affaire. Nous sommes là, non? Que Dieu nous donne longue vie seulement. Mais regardez! Salut, chers amis. Alors, je viens vous parler ce soir par rapport à la croqueuse de diamant. Bon, la croqueuse du diamant. Je ne comprends pas un truc, au fait. Je ne sais pas pourquoi nous, les francophones, nous sommes comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'elle a fait du mal, cette fille? Parce qu'elle a distribué de l'argent. Alors, quand les Ibos, les anglophones, hein, les Ibos, quand ils font leurs cérémonies, des grands cérémonies, des mariages, même pas ça. Quand ils s'arrêtent, ils partagent l'argent aux gens dans la rue. Là, c'est pas mal vu. Là, ils n'ont pas fait de fétichisme pour avoir cet argent. Là, ils n'ont pas fait de maraboutage pour avoir cet argent. Mais quand c'est notre sœur, nous, les francophones, c'est un problème. La semaine dernière, c'était Boli. La jeune fille a porté une veste décotée. On voyait un peu le milieu de ses seins. Ça a fait maintenant une polémique comme ça. Les gens se sont plaints de partout parce que quoi, cette fille s'est habillée comme ça. Or, si Lady Gaga s'habille comme ça, si Rihanna s'habille comme ça, c'est pas un problème. Vous voyez ça? En tout cas, ce que la coqueuse de diamants fait là. Si elle le faisait aux États-Unis, ça ne dirait rien à personne parce que c'est leur culture. Les gens sont déjà habitués à cela. Vous voyez? Mais ici, c'est un peu compliqué.
Prince est en train de dire partout qu'au concours de diamants, ceci. Gars, c'est chacun seul qui sait où prendre son argent. C'est la gola seule qui sait où elle prend son argent. Quand vous demandez qu'elle vous dit où elle prend son argent, qu'elle va vous dire vous allez faire quoi? Vous allez partir aussi chercher pour vous. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Elle dit que la réalité, c'est que les gens veulent savoir où elle a pris son argent et comment elle a eu son argent afin qu'ils puissent aussi aller chercher leur part là-bas. Hein? Sérieux? Mais écoutez ça! Affaire croqueuse de diamant. On passe par ci, croqueuse de patates. On passe par là, croqueuse de gingembre, Kéo, croqueuse de chaussettes. Croqueuse de diamants est dans les loges. Bientôt, elle va devenir folle. Où est-ce qu'elle trouve tout cet argent? Elle sort d'où? Elle fait quel travail? C'est une sorcière. Laissez la fille de trouver tranquille. Hein? Laissez-la tranquille. Non, attendez. Si elle vous donne l'argent et que vous refusez, elle va vous tuer. Moi, je comprends tout simplement que les vrais pingouins dans l'histoire, c'est vous. Vous êtes les cochons, vous êtes les zizi. Bon, tu sais très bien que là-bas, il y a les dangers, mais tu pars quand même. Vous-même, vous confirmez que c'est l'argent sale et c'est vous-même, vous partez pour demander. Vous-même, vous confirmez que c'est de l'argent sale. Mais c'est vous qui partez pour demander. Sérieux? 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 Est-ce que c'est vrai que les gens qui disent que c'est de l'argent sale vont aussi demander leur part là-bas? Est-ce que c'est vrai? Bon, je pense que Coco, évidemment, elle-même, elle va nous dire la vérité sur ce sujet. Écoutons ça! Vous avez dit que c'est l'argent sale qu'on a. Arrêtez de venir demander l'argent sale des gens. Vous avez dit que c'est l'argent sale qu'on a. Arrêtez de venir demander l'argent sale des gens. Vous avez dit que c'est l'argent sale qu'on a. Arrêtez de venir demander l'argent sale des gens. Vous avez dit que c'est l'argent sale qu'on a. Arrêtez de venir demander l'argent sale des gens. Sérieux? Sérieux? Donc, ceux qui parlent à coup, allez demander l'argent. Donc, ils vont en commentaire raconter beaucoup d'histoires, beaucoup de méchancetés, mais après, ils vont prendre sa thune, sérieux. Ils vont demander sa thune, sérieux. Mais les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Mais vous avez vu ça? Mais regardons ça. Hello, coucou la tienne. Il y a une histoire là qui chauffe sur la toile. Il y a une tantine, une tata, une maman. Une boss lady là qui partage maintenant les deux pays où oh, oh, que, oh. On dit que son nom c'est une croqueuse de diamants. Maman, pardon. Chouchou. Allez dire à la cantine là qu'il y a une bourse là que ça ne donne pas. Qu'est-ce que c'est du. Pardon. Je vous dis quoi de ma part. Vous voyez que tu as maintenant, il y avait pas de part là-bas. Et j'entends aussi cette vie que c'est l'argent de la série là, elle ici. Vous avez compris que l'argent a la couleur? Vous avez compris que l'argent a un nom? L'argent, c'est l'argent. Vous n'avez pas bien compris le son qui chantait que l'argent, c'est l'argent. Vous n'avez pas compris la chanson qui dit l'argent c'est l'argent. L'argent c'est l'argent. Ça veut dire que même si c'est soi-disant l'argent sale, quand vous prenez son argent là, le bien propre, le bien repassé, le bien checké, le bien clean. Comment vous le dire? Comment vous le dites ça, pas vous l'aide, vous voyez ça? Comment vous le dites? Mais regardez! Je dis que non. Tata croqueuse de diamant. Mais restez. Pas de ce que vous voulez. Vous voulez savoir. Vous faites comme si vous voulez la seconde. La personne qui veut sa part, puis lui donne son nom. C'est pas la blague. Il y a une grande arrivée. Rien. Rien. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Écoutez son corps, parce qu'elle, elle a confirmé qu'elle a reçu sa part. Elle allait demander 100 000, elle a reçu 1 million de coqueuses et diamants.
Et elle dit clairement que on n'écoute pas ce que les gens disent. Rien ne va vous arriver. Rien. Écoutons ça encore. Il dit que non. L'attaque au cause de diamant. Mais restez. Pas le fait que vous voulez. Vous voulez aussi avoir. Vous faites comme si vous voulez. C'est quand même la la personne qui veut sa part. Quand il donne son nom. C'est pas la blague. Et il ne va nous arriver. Rien. Rien. Incroyable. Mais vrai. En tout cas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire vraiment ce que vous en pensez. Est-ce que vous irez vous aussi demander de l'argent? Si vous l'avez fait, comment ça s'est passé? Laissez en commentaire, j'aimerais bien savoir. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est la fin de thunes. Tout ce que l'argent là, ça tue les regards des gens, les gros de ça, les gros yeux, les narines, les gens. Donc, dès qu'il y a du nouveau, je ferai une vidéo pour vous. Si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous, activez la cloche, laissez-vous un j'aime pour montrer que vous aimez la vidéo. Partagez aussi la vidéo à vos amis. Et soyez prêts pour la suite. Je vais faire encore d'autres vidéos en jeu comme des révélations. Bon, vous allez voir, vous allez voir. Abonnez-vous et restez connectés sur ce point. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, dans la description, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire les dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à toutes les personnes pour nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre part. Soyez prêts!